Quoi? Es-tu très occupé? Pas vraiment. Tu veux bien attraper du poisson pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que tu diras à Juan que c'est moi qui l'ai attrapé? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Tu me mens toujours. Oh, allez. Quel genre de poisson veux-tu? Du poisson-chat et du bar. Ils vivent dans les eaux douces. Les lacs d'eau douce. Avan insiste pour créer de nouveaux plats. Il veut trouver des saveurs qui plairont au Kido. D'accord. Je les ai. J'ai les deux. Je me charge du poisson. Tu arrives pile à temps. Mayo, as-tu le poisson que je t'ai demandé? Oui, les voilà. Je reviens tout juste du marché au poisson. Merci beaucoup, Mayo. Tu m'es d'une grande aide. C'est normal, patron. Hé! Hey, désolé, petite. La vie est injuste. D'accord, alors sache que le cache-œil n'était pas celui d'un pirate. C'était celui d'un parent d'Onzo qui était paresseux. Quoi? Tu m'as menti? Et toi aussi, tu m'as menti. On est quitte maintenant. Le premier. Ah, alors, la recette du chocolat, enfin. Chocolat. Fais-en la paix, je te donne ce sac à dos croissant. Pourquoi il a un défaut? Pas du tout. C'est un bon sac à dos. Où est-ce que tu l'as eu? Il est à moi. Il a toujours été dans ma famille. J'en doute. Si, vraiment. Tu es sûr? Évidemment. Alors merci. Montre ton nouveau sac à dos croissant à Bram. Ça va être encore cette histoire. Ah, je suis assez tendu. Pourquoi? Les habitants de Mara n'aiment pas ma cuisine d'encre. Mais je pense qu'en m'entraînant, je pourrais m'améliorer. Toutefois, je vais avoir besoin d'aide. Je pourrais vous aider? Es-tu certaine? Pour commencer, il me faut des légumes frais. D'accord, je vous apporte ça. Pas de soucis. Tenez, voilà tout ce que vous avez demandé. Merci beaucoup. C'est parti, je vais préparer une salade d'ancora. Dedans, il y a de la pieuvre et une base de légumes frais. Et qu'as-tu apporté, quoi? Aaron m'a demandé des légumes. Et donc, il fait encore de la salade. Je vais vous aider, chef. Pardon quoi, mais j'ai de la cuisine à faire. D'accord. Et à côté de ça, donc ils vendent du chocolat, des grains de blé, du lait, des croissants. Ouf, chez les croissants, des faritas. Oh. Oh, ça y est, ça donne faim. Ça donne faim, c'est terrible. Alors, Bram. Bram, regarde mon beau sac à dos. Je sais pas s'il faut que je l'équipe ou pas. Et quoi, ce sac à dos croissant? C'est Mayo qui me l'a donné. C'était pour mon sac à dos. Vraiment? Oh non, tiens, prends-le. Tu n'es pas obligé, garde-le. Par contre, j'en ai pas d'autres. Bon. Ah, je vais te fabriquer un nouveau sac à dos. Ça ne te dérange pas, bon. Évidemment. Sac à dos de Bram, nouvelle recette. Il faut fabriquer, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme quête en dehors de trucs à fabriquer? Faut la faut se submerger, ouh! Je regarderai, hein. Pareil pour les crabes, je regarderai sur le net pour pas prendre 1 million d'années à chercher ces trucs-là. Tout ça c'est bloqué. Il faut que je fasse de l'angle. Ça c'est de la fabrication. Fabrication sac à dos. Fabrication soupe aux champignons. Ok, donc il faut que je regarde soupe aux champignons. Sac à dos, encre. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir les créer? Alors, sac à dos. Il me faut du coton et du tissu. Si le tissu, je peux l'acheter dans au marché. Coton, faut que j'en fasse pousser. Soupe aux champignons, je peux le faire. Ah! Bonjour! J'ai pas vu. Améries. Chantez. Qui nous rejoint au passage. Félicitations. Donc la souche aux champignons, j'ai ce qu'il faut. Et c'était quoi le troisième objet? J'ai déjà oublié. Mince. Quel était le troisième objet? On va s'y retrouver. Encre. Oui, de l'encre. Comment on construit de l'encre? Ah oui, c'était l'eau et le calamar. Mais le calamar, je sais pas où choper. D'accord, bon. Il faut que je regarde pour le tissu. Oh. Compliqué. Le tissu et j'ai oublié le reste. Ah, ils vendent du tissu. 200 balles? Ah oui, du coton. Voilà, il me fallait du coton. 200 balles. Compliqué ma vie là. Bon. Bon, ok. Il va me falloir du flouze, de la thune, des boulasses. Il va falloir tout ça.
Ça, on verra après. Parce qu'après, le coton, je peux le faire pousser. Et ça, c'est bien, on apprécie. Mais il me faut des grains pour ça. Et vu que j'ai décidé de partir dans l'industrie de la pomme de terre et de l'oignon, malheureusement, ce n'est pas le type de grain que j'ai pour le moment. On retournera à la ferme après. Je peux le péter, ça? Pas du tout. Déjà, on va finaliser cette fameuse carte. Là, je pense qu'on est bon. Hein. Tout ce qu'il faut. Eh quoi, c'est un plaisir de te revoir. Je ne reçois plus de canulars téléphoniques. La carte est presque terminée. Bien. Il ne manque plus qu'un dernier détail. Il me faut de l'huile végétale pour vernir le papier pour qu'il résiste plus longtemps. De l'huile? Je vais demander à Bram. De l'huile végétale à Bram. Ah mais attends, c'est pas Bram là, c'est son père. Hein. Ou son oncle, non, c'est son oncle qui fait un restaurant. Et pas la même tête, hein. Peut-être le même nom, pas la même tête. Hein. Et retournons sur la plage. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un horaire d'ouverture pour le restaurant. Wait. Heureusement qu'on peut sauter par-dessus tous les murs. Ok. Wait. Ça y est, c'est ouvert. Bonjour, est-ce que Bram est là? Bram est très occupé pour le moment. Il est à côté, il faut rien. Qui es-tu? Il me faut... Bonjour, quoi. Salut, est-ce que tu as de l'huile végétale? Je fabrique une carte et... Tu racontes n'importe quoi, petite. L'huile végétale est un produit alimentaire de qualité. Ça sert pas à fabriquer des cartes. Quoi, nous n'avons pas... Remets-toi au travail. Mais tonton... Oh, vous êtes son oncle? Excusez-moi, vous êtes l'oncle de Bram. Comment allez-vous? Je suis pressé. Peu importe. Le fait est que nous n'avons pas d'huile. Il nous faut des graines de tournesol pour en fabriquer. Ce matin, j'ai vu un chaman manger des graines de tournesol. Ah, c'était sur Monzo. Pardon? Écoute, si tu récupères des graines et que tu me rapportes des tournesols, je te donnerai en échange la recette pour préparer de l'huile. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît. D'accord. On se retrouve à faire... Mais j'ai déjà les tournesols. C'est extraordinaire. On se retrouve à faire la morale à tout le monde. Monsieur Taka, j'ai les tournesols. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, je peux préparer de l'huile végétale. Je vais te donner la recette pour que tu en prépares, quand bon te semble. Et tu ne viendras plus m'embêter. Est-ce que vous parlez comme ça à tous vos clients? Ça, c'est Bram, que ça regarde. Je suis le grand chef. Le meilleur de Mara. Vous en êtes sûr? Ah oui, il est excellent. Et toi, es-tu le meilleur serveur de Mara? Non. Je deviendrai un chef moi aussi. Wow, comme ton oncle. Ah, il a toujours besoin de beaucoup d'entraînement. Et d'oublier ses idées saugrenues. Quelles idées? Passe quand tu veux, je te montrerai mes plats. Ah, ça serait formidable. Ouais, je suis sûr qu'il va faire des trucs extraordinaires plus tard. On va rapporter ça. Faire du commerce, qu'est-ce qu'il vend en lui? 110 balles! 230... 290! Par contre, ça a l'air bon. Ça donne faim! On va manger des ramen et des soupes! Ah, par contre, qu'est-ce qu'on peut lui vendre aussi? Du lait, du coton, du fil, du blé, du bar. Ok. Donc, ramener la carte. On est reparti pour le retour. Il va falloir que je mange un truc, là. Manger une carotte, hein. Voilà où on en est. On voit l'énorme resto avec des gros plats et des machins, et on bouffe une carotte crue à côté. Moi, on l'a, cette carotte, hein. On l'a fait pousser nous-mêmes. Sur notre île. Dans notre ferme, près de notre demeure. Du moins, la demeure de notre grand-mère disparue. On se retapait toute la pente. Non. Après, dans un flow normal, j'aurais dû retourner à mon île, faire des tournesols et blabla. Les tournesols, je les avais déjà. C'était beau.
Très bien. Avec ça, on a tout ce dont nous avons besoin. Cette carte va être très jolie, mais... Mais... Je ne sais pas si elle sera très précise. Cela fait longtemps que je n'ai pas traversé Mara. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans l'océan. Ces derniers temps... Qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que le vent a tourné, quoi. Mara tout entière semble changer. Et cette carte... n'est peut-être pas complète. T'en fais pas, Sammy. Je la mettrai à jour, j'ajouterai mes dates. Évidemment. Écoute, je vais faire une marque sur une zone de la carte. Il y a là-bas une petite fosse submergée. Ah bah là voilà la fameuse fosse submergée qu'on cherchait depuis des millions d'années. Si tu y plonges, tu y trouveras à coup sûr un collier. Rapporte-le-moi. Est-ce si important que ça? Ne discute pas, petite. À votre service. Vache. Ah, et là maintenant on a de quoi plonger, on a un... On peut maintenant ouvrir la carte de Mara dans le menu principal, d'accord. Maintenant, le masque, là, et tout ça. Trouve le collier au fond, oui. Vive la vie. Est-ce qu'elle a d'autres... D'accord. Ça devient ma quête principale. Ouais. Voilà, on a tellement de gens maintenant à aider. 1 million de personnes. Quel des quêtes à récupérer, oui. Avan et Bram. Ok. Allons récupérer, déjà. Avant de savoir quoi faire précisément. Hop. Bam bam bam. Bili 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 boui, les vilains détritus burk. Boudadou dadou day, boudadou dadou 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 dadou. Ah, il est trop tard pour le restaurant par contre. Je pense. Ah non, il est encore ouvert. Nice. T'as qu'à déjà ouvert cette buvette. Pourquoi est-ce que ça vous tracasse autant? Un cuisinier Kido qui préparera des plats que les autres Kido aiment. Tandis que moi... Allons, je suis sûr que ce n'est pas si dramatique. Je vais goûter sa nourriture pour découvrir ses secrets. Je vais vous apporter certains de ses plats. D'accord. Prends cet argent et sois discrète. Il veut quel plat, précisément? Achète des plats spéciaux. Bonjour, je voudrais des plats spéciaux. Monsieur Taka, j'aimerais acheter 3 plats. Tu les veux très épicés ou pas? Et avec quelle garniture? Il te faut de la sauce? Je ne sais pas. Je veux de la sauce sucrée et tout le reste. Et c'est tout pour moi, je le jure. Les 3 plats? Je ne les apporte à personne. Ah bah, tant que tu me paies, c'est prêt. Tu peux aller payer à la caisse. Oui, d'accord. Porte les plats à Avan. Et je peux plus parler à son fils. À son fils, je peux lui parler que quand il bosse pas. Fuck. D'ailleurs, il a une quête, le père, ou pas? Je l'ai dans mon journal. Ah non. Peut-être que je lui parle, hein. Vite! Je vais plus avoir d'énergie en plus. Taka! Oh, allez, ne viens pas m'embêter. Qu'y a-t-il? J'ai besoin de produits frais pour la buvette. Mais je vais me faire. Je vais m'en faire pousser. Qu'est-ce que je pourrais planter en premier? Et pourquoi pas des poivrons? Je peux vous en apporter des graines? Bonne idée! 3 graines de poivrons. Ok. Mais normalement, si je plante des poivrons, j'aurais pouvoir avoir des graines aussi. Un truc que je dois mal faire, je récolte à chaque fois les fruits, mais pas les... Enfin, les légumes, mais pas les graines. J'ai un truc de teuf, là, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Restaurant. Restaurant, amener les plats. Pardon quoi, mais j'ai de la cuisine à faire. Quoi? Porte les plats. Ma gueule. Je vais le voir à des horaires précis. Ah mais j'ai pas les plats.
pas les plats, je suis débile. Un ramen, une palourde, un mochi. Un mochi, une palourde, un ramen. Ok. As-tu pris ces plats chez Taka ? Oui, je les ai achetés. Un goût bien particulier. C'est sucré, mais avec des touches d'amertume. Les textures sont douces, un peu gluantes. Je sais pas si j'arriverai à refaire la même chose. Ah, je pense que vous devriez rester fidèle à vous-même et préparer vos plats habituels. Tu as raison. Là ne me conviennent pas du tout. Continuons de cuisiner. Quoi ? Tu pourrais livrer quelque chose de ma part ? Peut-être. Akila, l'élite, a passé commande. Et j'ai besoin que Mayo reste ici pour s'occuper des clients. D'accord. Montre-toi très respectueuse avec lui, s'il te plaît. C'est mon meilleur client. Ne vous en faites pas. Prends la nourriture, tu pourras garder la monnaie. Nice. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour aller là-bas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais retourner sur l'île planter des trucs. Récolter un petit peu, vendre si possible. Dormir sur le bateau. Ce genre de choses, quoi. Un petit aller-retour. Je pourrais pas faire le sac à dos. Je pourrais pas faire quoi d'autre? L'encre. Et je pourrais faire la soupe champignon. Et la quête pour... On a popo. Déjà bien. Ah oui, j'ai la nouvelle carte aussi. Ah oui. Ah oui, maintenant je peux aller dans toutes les directions. Visiter les différentes îles. Cool. Donc la carte, c'est ça. Ah, il y a quand même des cases qui sont éloignées du foyer. Voyage, changer de... Non. Ouais. Attendez, on va voir. Ah, ce que c'est que tout ça. D'abord, rentrer chez nous. Je récolterai demain. Oh, il pleut, c'est trop bien. Juste planter les trucs avant. Par quoi que ce soit d'autre. Ok, cool. Alors. Au niveau des crafts dont on a besoin. Donc comme dit ça, je peux pas encore le faire. L'encre, je peux pas encore la faire non plus. La soupe en champignons, par contre, j'en suis capable. Ah, il faut du cacao pour le chocolat, ok. Je peux faire la salade aussi, là. Il me faut de la salade. Comme je sais pas faire de la salade tout court. C'est un problème quand même de savoir faire de la salade d'Ancora, mais pas savoir faire de la salade. Bon, oula. On va faire combien des trucs comme ça? Ah, j'ai pas beaucoup de... Ok. Les petits jeux habituels. Alors, on va arroser tout ça.